Bon, bah, ici, nous, on est dans les nous enfin, nous conseillons Ariel Henry avec l'Occident. Bon, bah, ici, nous sommes prêts de bien mettre ça. Bon, bah, ici, nous sommes prêts de bien mettre ça. Vous êtes bon, bah, ici, nous venons matin devant la presse, parler, écrit et télévisé, pour nous répéter encore, conseil ça. Non seulement n'a pas empêché l'installer, deuxièmement, ni pas le faire face à une opposition qui va me quitter le travail, parce que notre conseil Sahara, c'est Ariel, c'est la bourgeoisie qui vient dominer le conseil Sahara. C'est ça que je fais. Et c'est Moi, Jean-Charles, tremble pays d'Haïti. En pile monde étonné, ça passé à gen moun jodi a la, kap di est-ce que c'est nan dormi yoyé. Gen moun kap pose tête yo question, est-ce que c'est rêvé ap rêvé? Non, ou pas nan rêve, Moïse Jean-Charles font coup de guidon là, son bagay, maman petite mare vente. Son paye poté, Moïse Jean-Charles frappe fort. Et là, nous pral présente une émission spéciale. N'ap tout rentré nan maman cause ya. Qui s'est passé, mesdames et messieurs? Qui te m'rappelé nous? Moïse Jean-Charles, c'était premier monde qui t'a pral 5 mars 2024 nan sak t'a passé pa boy ici qui t'a décidé zami internaute pour lui-même li t'a dit eh bien la pote bourré et yo déjà gagné plan après Ariel. Qui sak t'a passé dans pays d'Haïti? Ti monsieur vivant sans yo, ti monsieur gang yo t'a décidé mettez tête yo en bas non vive ensemble pour yo frapper pays d'Haïti après annonce premier ministre Ariel Henry. Mesdames et messieurs, te fin fait dans international là pour le dire mais qui année la organiser élection et mais qui l'a fait passation de pouvoir. Eh bien mesdames et messieurs, si monsieur Arméo yo mette pied à terre depuis 29 février y a frappé jour journée jodi a yo pas suspendre frapper. 5 mars, Moïse Jean-Charles prend du vent. Moïse Jean-Charles, avec diverses autres organisations politiques, pral fait une sortie fracassante. Qui sa sortie a teye? Et bien, Moïse Jean-Charles t'a pral fait qu'on est, yo déjà gagné conseil présidentiel, yo peuple haïtien. Yo déjà gagné qui moun qui pral remplacer Ariel Henry nan pouvoir. Côté yo même, yo t'a pral quand même joindre une entente avec Réveil National pour yo choisi monsieur Crélé Guy Philippe là pour yo choisi mesdames et messieurs magistrat Duré Junior pour yo choisi madame Françoise pour yo dit qui pral faire partie de un conseil présidentiel trois têtes. Et bien mesdames et messieurs, Moïse Jean-Charles sorti en pile moun saisi. En pile moun rive joini et qui te m'di ou, accord 5 mars ça, protocole d'entente ça 5 mars, t'as pral gen signature environ 200 partis politiques. T'as pral gen signature environ, mesdames et messieurs, 4000 organisations sociales rete là. 4000 organisations sociales ça yo t'apral décidé pour yo rejoindre Moïse Jean-Charles rejoindre Guy Philippe côté yo quoi c'est Guy Philippe qui pour venir président pays d'Haïti parce que Moïse Jean-Charles t'est rentré dans logique là. Et bien mesdames et messieurs, CARICOM pral décidé pour lui-même li lancer un appel d'offre si t'a capable reler le comme ça. Le demandé zami internaute pour parti politique yo même yo voyé des propositions de sortie de crise. Proposition de sortie de crise ça yo c'est
des prérogatives qui gagnent là-dedans, remplaçant gouvernement Ariel Henry. Retez là, émission ça, son émission spéciale, nous prenons le faire avant, journée jodia. Eh bien, qui gagne des prérogatives pour dire, mais comment vous voulez remplacer Ariel Henry? Pral gagne plus passé yon douzaine partis politiques ou encore regroupement politique qui décide voyer des propositions. Parmi eux, gagne Petit Dessaline, Réveil National ak yon quantité l'autre parti qui pral basé sous accord 5 mars qui gagne Guy Philippe, qui gagne Madame Françoise, qui gagne docteur magistrat Durin Durin Junior. Et on dit, yo opté pour un conseil, 3 membres. Kap gen la dan, 3 moun mwen sot cité la. Genye, parti aidé, qui gen en tête ni Claude Joseph, qui pral voye yon proposition, qui opté pour un conseil présidentiel, 7 membres. Genye à Comontana, qui pral voye tout yon proposition, qui opté pour un conseil présidentiel, 5 membres. Donc, proposition pral fait clin-clin, nan coin kay organisation ou encore nan espace organisation CARICOM nan li siéger. Ah là, n'a pas les gros causé. Ah oui, n'a pas les gros causé. Proposition pral fè mikalao nan coin nan espace même CARICOM qui sont organisation régionale li siéger nan pays Jamaïque. Et bien mesdames et messieurs, qui t'aime dire yon semaine plus tard le CARICOM pral décider pour que lui-même li commence chita avec parti politique yo nan yon et visio conférence nan yon appel vidéo côté tout parti politique qui t'est acheminé des propositions auprès de la CARICOM ou encore le CARICOM. Eh bien yo pral chita avec yo à travers yon appel conférence pour yo pour chaque parti défendre position yo pour chaque parti défendre proposition yo. Moïse Jean-Charles c'est pral youn nan moun qui pral paraître avant qui pral devant la scène pour lui-même li défendre proposition là. Quand elle fait qu'on est si yo les plus ou moins proche prérogative constitutionnelle yo yo obligé aller dans coup de cassation mais à défaut de coup de cassation yo obligé aller dans coup d'appel et la CSPJ. Yo obligé aller dans coup d'appel ou encore CSPJ mesdames et messieurs parce que yo décidé dit tête yo pralé dans CSPJ ou encore coup d'appel parce que magistrat Duret c'est représentant coup d'appel dans CSPJ. Yo dit cassation li bay ti problème nan tan sa yo. D'ailleurs, gen yon paquet bruit k'ap kouri sou cassation, yo dit yo pa pral nan cassation, mais yo opté pou moun sa yo et Guy Philippe place yon nan moun ki kapab mete peyi a deyo, ki kapab mete tout moun sou même table la. Moïse Jean-Charles a essayé convainc CARICOM pou yo même, yo accepté conseil pa la. Yo dit non, font poser avec mesdames et messieurs, conseil présidentiel Moïse Jean-Charles là. Yo pral passé avec yon lot proposition qui se proposition accord 21 décembre. Quand elle te opté pour gagner yon gouvernement bicéphale avec Ariel Henry comme premier ministre et pral gagner yon conseil présidentiel tout. Eh bien, accord 21 décembre perdu au les mains. Accord 21 décembre n'a pas assisté tirage. Accord 21 décembre n'a tombé dans de l'eau bien bonnet. Yo dit question pour Ariel premier ministre, pas gain ça là. Yo pral passer avec yon l'autre accord, yon l'autre proposition qui c'est accord Montana. Accord Montana opté pour un conseil présidentiel 5 membres. Yo dit ça plus ou moins. On fait poser sous lit toujours. Yo pral river mesdames et messieurs sous proposition parti politique EDA qui opté pour un conseil présidentiel 7 membres et c'est lui-même qui pral fait la mayol là. C'est lui-même qui pral fait gros loi, c'est lui qui sorti dans tirage là.
Ah oui, conseil présidentiel, et Claude Joseph t'a proposé à Célix sorti. Sept membres CARICOM sentir convaincu avec lui, il décide de rentrer là-dedans, mesdames et messieurs. Et d'office, il pral mettre une série de critères pour un monde capable d'intégrer le conseil présidentiel là. Là, il a opté pour un conseil présidentiel, sept membres. Et tout qui pral gagne deux autres membres comme observateurs, en tout pral gagne neuf. Eh bien, yo tout avancé des critères pour yon moun participer dans le conseil présidentiel là. Et là, Moïse Jean-Charles senti le prend froid. Moïse Jean-Charles senti nèg yo kont li. Parce que gagne yon nan moun et qui nan proposition Moïse Jean-Charles là, gagne yon critère qui pral mette qui pas joué en faveur li. Qui critère lié. CARICOM pral fait qu'on est automatiquement ou t'es condamné, automatiquement ou t'as gagné contrainte avec la justice, quel que soit côté a, ou pas capable de rentrer dans le conseil là. Là, Moïse Jean-Charles estomaqué. Moïse Jean-Charles fâché. Là, Moïse Jean-Charles quitte table là, il dit merci parce que t'es invité, là, pas place moi. M'a retiré comme. M'a levé quitte table là. Moïse Jean-Charles Crason quitte ça. Et là, Moïse Jean-Charles pral commencé à camper en face CARICOM, en face proposition ça. L'el décide de demander acteur politique yo pour yo même yo retire ko yo pour yo faire back dans dossier ça. Lage pied yo. Parce que li comprend jodia la crise haïtienne li supposé résoudre par les haïtiens. Moïse Jean-Charles pral fait un appel avec tout parti politique pour le dire rive jeuni parce que conseil présidentiel ça c'est conseil peuple haïtien, c'est conseil qui là pour peuple haïtien même qui pral mette un petit bémol là dans ça qui passé par moi ici. Et bien Moïse Jean-Charles pral basé sur youn nan aspect son l'autre aspect en dans conseil ça parce que pral voye yeux li gade. La bourgeoisie qui sait, un secteur la bataille contre lui depuis dix d'antan, un secteur que Moïse Jean-Charles paroi bien, selon Moïse Jean-Charles, c'est yo kap krasé pays a, li pral wè, li représenté en dans conseil présidentiel ça, Moïse Jean-Charles dit pas là. Deuxième couche, Moïse Jean-Charles qui pral estomaqué, qui pral levé plume sous de Moïse Jean-Charles, c'est accord 21 décembre qui passait tout temps l'a supporté Ariel Henry, qui passait tout temps l'a boumé bokot Ariel Henry. Yo compte peuple haïtien, yo pas jam nan intérêt peuple haïtien. Accord 21 décembre ça qui gagne André Michel, qui gagne Majorie Michel, qui gagne Edmond Supplice Bozil, qui gagne Pascal Adrien, qui gagne Josh Mi, Jean-Baptiste. Pour ne citer ça seulement, Moïse Jean-Charles dit, c'est là le comprendre, c'est yon conseil qui a monté pour Ariel encore. Moïse Jean-Charles pral dit, conseil ça c'est pour Ariel la monté. Là le voyage était nan poubelle. L'elfin parle là, il dit le voyage était nan poubelle. Déclaration ou encore proposition CARICOM nan, mesdames et messieurs. Moïse Jean-Charles dit le voye bagay sa jete. Bon faut entendre Moïse. Bon faut entendre Moïse. On peut massacrer CARICOM. Qui en même c'est d'accord pour nous collaborer, pour nous coopérer ensemble. Même là nous-mêmes, c'est pas CARICOM nous demander pour venir faire conseil nous en passer pour nous. Peuple haïtien. OK. Conseil nous créer là. Oui. Qui symbolise le pays là. Qui est appelé. Qui a parlé, la vie s'arrête quand même. Ok. Peuple haïtien, où est la décision qui est comme non? Depuis que je suis parlé, bagay ça, nous tous jetons la poubelle. Ok. Ouais, Moïse Jean-Charles, fin jeté. Proposition encore décision CARICOM dans la poubelle, c'est lui qui a descendu dans Fatra là pour aller chercher. Retirer vieux manger qui est en gâté, retirer vieux Fatra pour aller chercher et dossier CARICOM là, il te fin jeté dans la poubelle là. Entendez-nous, entendez-nous. Qui symbolise le pays, qui est appelé, qui est appelé, la personne est quand même. Ok. Peace out!
OK. Papa ici. Papa ici. Ouais. Ouais, décision qui est comme non. Depuis que je suis parlé, bagaille ça, nous tous jetons dans la poubelle. OK, il descend dans la poubelle là, là, il prend là. OK, il descend dans la poubelle. Jusqu'à bout. Papa ici. Nous avons un bloc politique nous créé. Un bloc politique qui est petit de Saline. Moi, Jean-Charles. FN. Guy Philippe. Consortium. Jean-Tel. Saint-Amand. Qui est un gros bloc politique tout. La paix. Solution. Ghetto parti. C'est 150 partis politiques. Qui crée un bloc ça? Où est le bloc ça? Et nous avons pile bloc dans le département de tout qui nous pouvons inscrire. Peuple haïtien, bloc politique ça, pas de monde qui a battu. Comme blanc, comme bourgeois, comme membre gouvernement, comme vagabond politique, ou pas de battre bloc politique ça. Politique qui vient bouclier en pile l'autre parti ou pas capable de faire pas ici là où je vais mandat tout en soleil pas levé n'a pas soleil levé n'a pas soleil levé pas ici si c'est comme ça étranger pensé pour traiter nous pendant ta mobilisation journaliste nous t'es témoin bien des moments petit des salines dans l'arrière pour col avec les haïtiens. Il y a des moments, nous avons allié nous. Nous sommes pour jeter un gouvernement. Pour ne pas être leader politique. Quitter en dedans hôtel. À point air conditionné. Toute journée. Pour y aller. Il y a des centaines de hôtel. Pour y aller dans le palais national. Jamais. Et nous-mêmes. Ils ont fait sortir dans l'arrière pour nous reposer la caille nous. Ils ont pris nous, Baba ici. Baba ici, fais descendre. Fais entendre nous. Depuis nous faisons ma conférence là, tout le monde est en détail pour le fermer. Depuis nous faisons ma conférence là, on prend mon caille comme nous. Je vais prendre notre descente là. Puis, quand on prolonge la crise là, pays à gourmet, je cherche moyen, je jette le premier ministre. Je ne vais pas comprendre aujourd'hui. Pour qu'il comme, on vient présenter nous. On coule, cette tête, nous parlons dans le café à Guima, nous parlons. Papa haïtien, pour nous respecter, même quand il comme qui te parle avec nous, nous apprécions ça. Nous avons volonté, mais pas qu'il y a ses forces pour faire ça bien passer. Nous remercions pour ça. Premier ministre Babada, Premier ministre Mia, Premier ministre Nasson, en plus le Premier ministre Bahamasa, nous saluons. Nous saluons, nous t'apprécions, façon de recevoir nous. À travers un Zoom, nous t'organisons en contact avec vous. Eh bien, Mathéo, c'est avec peine, avec qui fait mal, nous prenons décision qui comme non, nous la gueule dans la poubelle. Peuple haïtien, journaliste, mobilisation, pour le tourner, puis bien, dans quatre coins du pays, qu'on est là, nous finirons de tirer à la rue, et à la rue palais, pendant la dernière période. Liberté démissionner. Et ça montrait qu'il y a un plan pour nous. Eh bien, plan ça, n'a plan que dans la bataille, il n'y a pas qu'à réveiller. Peuple haïtien, journaliste nous, nous demandons à titre international, nous avons toujours parlé avec vous. Parce que dans la diplomatie, nous n'avons pas l'ennemi. Et jusqu'à présent, nous te félicitons les États-Unis parce que Ariel Henry demande
pour faire avion avec troupes, avec marines, pour te venir maintenant, il est fini. Les États-Unis, t'es refusé. Nous, t'as pas séché ça. Mais pour le moment, bagay mwen ka passe nan kay comme non, nous pas d'accord et nous pas besoin d'accord. Papa haïtien, petite Dessalines, invité toute la cité, non cité, nan kay comme, sauf accord 21 décembre, qui c'est Ariel Henry, sauf la bourgeoisie, qui c'est secteur économique dans. Après ça, nous toutes les idées, Van Chita, entre nous, pour nous parler, parce que ce n'est pas le pays qui continue ça pour nous faire. C'est ça que fait. Maintenant, je remercie la presse parler et qui était télévisé. Pour me dire, nous ne sommes pas d'accord avec la décision qui arrive comme non. Et nous poursuivons avec Sanyel, le conseil présidentiel, nous voulons établir notre pays. Payant, pour payant, doit prendre note. Ce n'est pas même l'idée longtemps qu'il a. Quelle est la vie à nous? Non pas Mrele, Moïse Jean-Charles. Non pas, ce n'est pas n'importe qui non. Son nom, le monde entier, respecté. Père haïtien, nous dénoncer un député américain qui a attaqué Moïse Jean-Charles. Député, ça. Moi, Jean-Charles, yon ancien magistrat, yon conseiller président, yon candidat qui était élu comme sénateur de la République. Yon. En tout cas, on campé là. On campé là parce que émission ça, libre à long en pile. Ouais. Ça, c'est déclaration, on dit c'est yon. Dans la série déclaration Moïse Jean-Charles fait après que CARICOM te fin prend décision pour installer un conseil présidentiel 7 membres dans tête pays d'Haïti. Et Moïse Jean-Charles, le que CARICOM fin prend décision ça, une gain pression dans ça qui t'a passé. Ou bien je suis en Haïti. Eh c'est dommage. OK. J'ai l'impression, mesdames et messieurs, dans ça qui était première partie dans démarche Moïse Jean-Charles t'a entreprendre pour eux même yo t'es capable mesdames et messieurs joindre mettre conseil présidentiel par eux. Yo pas de ko jam ferme là-dedans. Yo pas de ko jam quoi, c'est là yo gardé ou CARICOM opté pour proposition Claude Joseph là qui c'est 7 membres blancs. C'est là ça Moïse Jean-Charles pral bataille avec plus conviction côté le dit, lui même il paraît pour le mettre conseil présidentiel qui gagne Guy Philippe là. Et Guy Philippe lui-même t'a pral quoi dans Moïse Jean-Charles à 200%. Parce que malgré divergence politique yo te gagné, yo arrivé jwenn yon entente, yo arrivé jwenn yon consensus pour yo mette tête yo ensemble, pour yo chita sou même table pour yo mener yon bataille collective. Eh bien, c'est là Guy Philippe pral commencer pique dans Moïse Jean-Charles. Bam 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 faut tande déclaration Moïse Jean-Charles après bataille qui fin faite dans divers coins dans pays d'Haïti, bien bonnet 5 mars, entendez. Déroulons ça. Nous prenons deux actes. Un acte, Pepe Haïtien, reste Ariel Henry. Un deuxième acte, Ariel Henry, en fille. Ça, c'est 5 mars. 5 mars, le accord avec parti politique Guy Philippe là et Moïse Jean-Jalte. Tout est présenté, trois moun palio. Vous entendez? Les saletés du Ariel Henry en fille. Tendez. Pepe Haïtien, reste Ariel Henry. Un deuxième acte. Ariel Henry en fuite. Ariel Henry qui te payant. Ariel Henry zague nous dans l'eau. Li va même faire transition à l'autre monde. Mais peut-être où il allait. Si Ariel Henry allait, directeur police pas existé. Tout ministre en bas haut. L'État pas fonctionné. Nous plein problème dans le pays. Insécurité. L'État pas marché. Est-ce que nous même comme dirigeants, nous arrêter pour nous garder? Nous ne pouvons pas croire ça, mes haïtiens. C'est ça que fait. Nous prenons décision nécessaire pour Haïti.
Et pas décision moi Jean-Charles. Non, nous prenons décision. Comme il y a problème au niveau de la cassation avec juge, on peut le monde pas d'accord. Nous prenons un juge que 20 juges coup d'appel ont choisi pour te voir dans la CSPJ qui est le juge junior tiré. C'est lui nous choisit. Et il parle de deux personnes qui accompagnent. Sénateur Guy Philippe avec docteur Françoise qui parle accompagner. Et aujourd'hui, nous t'invitons toute partie pour venir porter signature. Nous félicitons les gens, nous félicitons les Haïtiens qui comprennent la décision que nous prenons là. Journalistes, c'est pour la première fois que nous ne critiquons pas les Américains. Les Américains disent ils ne peuvent pas voyer Marines dans le pays d'Haïti. Les Américains disent situation compliquée. Avion ou bien avion qui sont sur le territoire, pas venir en Haïti. Et c'est nos mêmes tout, font bel geste, le Dieu va d'accord passer sur le territoire. Qui donc, nous t'as seulement moun fou, si nous t'as quitté vite ça, par rapport à ce que nous faisons, pour nous t'as quitté pays en libre, Haïti c'est pour nous, si vagabond fou, nous nous pas fou. Peuple haïtien, Haïti sont irresponsables, Haïti sont grand monde. Qui n'est pas capable de comprendre rien, il n'y a pas d'examen, il n'y a pas même de lucidité, et pour nous quitter la mener dans la boue, en vérité, nous allons quitter sa fête. Comme nous t'élevons campé, et tout ce que nous avons élevé campé, c'est ça qui fait nous prendre une décision raisonnable, réfléchie, qui va mener nous à bon port. Haïtiens, continuez mobilisation, traquez Ariel, si tout le monde a changé d'idée, traquez-le, n'ayez pas au prince, traquez-le, n'ayez pas au cap, traquez le pillon. Traquez Jérémy, traquez Okaï, traquez Jacques Bell, traquez Ariel Pont-de-Paix, tout côté qui est aéroport dans le pays. Qui donc, je dis, nous comptons, internationalement, pas faire force pour venir poser nous. Mais c'est nous-mêmes haïtiens qui prenons des nous-mêmes, nous dirigeants. Ensuite, nous comptons, longtemps, l'Occident ne pas comprendre, jouer là. L'Occident pas te réfléchir. Je tout ça. C'est pour me river dans maman cause. Moïse Jean-Charles, nous tout a gardé là qui ferme sous décision, li pap cohabiter avec une série de moun, li wè qui rentre dans conseil ça. Parmi eux, à 21 décembre, la bourgeoisie. Moïse Jean-Charles dit même pour jouet li pap rentre dans jouet ça, dans cause ça. Eh bien, mardi, qui était 19 là, Moïse Jean-Charles, t'as pral bay dernier conférence li. Kote l'ta pral annoncé, li pral rend conseil sa la vie impossible. Li pral rend la vie conseil sa impossible et conseil sa pap ka travail. Tout autant c'est pas Guy Philippe, tout autant c'est pas magistrat Duret, tout autant c'est pas madame Françoise. Li même li pral rend conseil ça la vie impossible mesdames et messieurs. Li pral rend conseil ça la vie impossible. Li pap rentrer là-dedans. Eh bien, mes dernières déclarations Moïse Jean-Charles. Et nous même comme dirigeants, nous pas garder. Et bien là, il faut chercher l'autre déclaration Moïse Jean-Charles te fait mardi en pour. Nous prenons le présent là pour tendre comment Moïse t'a parlé. Et bien, mais ça a tombé. Papa ici, nous sommes califos, nous sommes pour nous, nous conseillons Ariel Henry avec l'Occident. Papa ici, nous sommes prêts. Parce que notre conseil ça, c'est Ariel, c'est la bourgeoisie qui vient dominer le conseil ça. C'est ça que je fais.
en campi. Nous tenons, Moïse Jean-Charles qui te dit lui-même, li pape rentre dans mascarade ça. Li pape participe là-dedans tout autant, c'est pas moun palio parce que li comprenne conseil ça, c'est encore Ariel Henry. C'est toujours Ariel Henry. C'est pral encore une fois Ariel Henry qui pral diriger conseil ça à travers une série de figues, li wè en dans conseil ça. Li te prend position, li dit lui-même, li pape rentre là-dedans. Li pa rentre là-dedans. Hier, m'te dit nous ça en pile monde jusqu'à moment m'a parlé là, yo poko kwè. Notamment Guy Philippe qui parlait nous pral vinn fò tande, li poko kwè l'en doute toujours. Pral vinn fò tande oui. Guy Philippe déjà parlé. Li poko kwè que ça l'tande assi ça parce que le kwè nan Moïse. Et bien, il y a des gens qui disent, yo pensé c'est dans dormi yo ye. Yo pensé y a dormi c'est rêve y a fait parce que Moïse Jean-Charles, yo connaît pas rentrer non causer comme ça. Ah oui. Moïse dit lui-même là, il pas venir perdre pour ti équipe. C'est Milo qui t'a sorti, rivé dans mon Bilbo, il t'a senti en faiblesse, il t'a décidé font alliance. Et là décidé li fin descend ou bien monter mon Bilbo, il dit li lague pied. Il lague pied et ça dit c'est que mardi qui saute passé a Moïse Jean-Charles pral sorti avec un prétendant membre conseil présidentiel pal là qui c'est madame Françoise. Madame nan pral sorti, madame nan presque tout fait, madame nan a parlé de l'eau presque sorti dans yeux li. L'elle Jean Bagayo a passé, elle opté pressé pour installer pour venir mettre l'ordre dans pays d'Haïti. Et yo voyez jeter encore une fois proposition ou encore disposition CARICOM yo mesdames et messieurs. Moïse Jean-Charles sorti avec madame Françoise Saint-Villiers. Moïse sorti avec lui en pile moun pral saisi le wè Moïse fait gros coup de guidon ça. Bam montrer nous. Ça c'est Moïse avec madame nan avec monsieur dame réveil national yo. Monsieur et dame Guy Philippe yo qui t'a accompagné Moïse Jean-Charles mardi qui saute passé là côté Moïse Jean-Charles réitéré engagement envers Guy Philippe et pral gon question yo gon journaliste qui pral poser Moïse Jean-Charles yo dit est-ce que yo ka fè confiance nan alliance li fait avec Guy Philippe là. Moïse Jean-Charles répond pour le dit mesdames et messieurs ça c'est pas confiance encore nous mettre quoi à 300% parce que moi-même moi pas trahi m'a prêté ferme sous position m'a prêté m'a combattre avec si monsieur Saouk nan conseil présidentiel là. Moïse Jean-Charles pral répondre pour le dire lui-même li pral installer conseil présidentiel par là pendant semaine nan même. Elle te dit yo pral faire là avec force et yo te déjà en pour parler avec la police nationale. Qui ça qui expliquer coup de guidon ça? Qui ça qui expliquer changement rapide ça Moïse et switch qui ça qui explique ça? Non par contre comme madame nan te sorti bon me fait nous ouais moun Moïse Jean-Charles te dit li pral mette dans conseil là li te parler bon côté Moïse m'ka gen l'autre bagay m'ri pral vinn di nous là m'gen l'autre information continue mais madame nan n'a salué spécialement média en ligne. Je dis à nous décider nous, pour mettre foi nous d'ailleurs, pour nous parler comme haïtiens. Parce que, faut que vous... Aïe madame, non, madame Françoise. Nous vivons l'opposition que nous ne pouvons pas prendre décision par nous-mêmes. Nous tellement pas prendre une décision par nous-mêmes. C'est étranger qui prend une décision pour nous. Mm-hmm.
Madame Françoise. Ça c'est madame, non, mesdames et messieurs. Nous qui presque crié, de rendre l'eau presque couler dans les yeux, tellement motivé, tellement fâché contre Caricom. Et Moïse Jean-Charles prend, malgré le qu'on est gon coup de mal taille qui en bas zong li, li sorti avec madame nan, li vin fè média, a foure téléphone nan, j'ai madame nan, moun ap craché sous li, chaleman ketouyel, malgré moi connais li gon dernier coup en bas doué. Malgré Moïse connaît li gon dernier coup mais madame nan, belle dame. Moïse Jean-Charles décidé li dit lui-même li pral fon coup. Et bel fon coup. Qui coup li fait? Information a tombé hier, Moïse Jean-Charles choisi monsieur ça li voyel nan Caricom. Monsieur Arélé Emmanuel Vertilet. Eh bien, c'est monsieur ça qui c'est ancien juge instruction nan OCAP. Information fait quoi, monsieur ça, son bon green set. Mais Moïse Jean-Charles, pièce moun pas de penser ça. Et gen moun qui jusqu'à moment n'a parlé, notamment Guy Philippe nou pral vin fort tande là, qui croit que Moïse Jean-Charles pas ka fon bagay comme ça. Des moun ki nan parti politique petite de Saline depuis hier soir yo effacé numéro et Moïse Jean-Charles sous téléphone yo. Yo di Moïse Jean-Charles là son vagabond politique. Moïse Jean-Charles là c'est un abolotio politique, yo pas parlé avec monsieur ça encore. Et bien petite de Saline comme parti politique nan moment n'a parlé à li prend froid. Est-ce que nous songe 18 mai comment bab t'es décidé crason quitter ça? Est-ce que nous songe 18 mai qui quantité militant parti politique petite de Saline membre parti a membre influent dans parti politique de Saline nan qui t'a décidé la pied yo parti papa nation pral prend coup parti papa nation mesdames et messieurs en pile moun te couri quitel après 18 mai. Le Ariel te décidé rentrer dans au cap, yo te dit c'est Moïse Jean-Charles qui te prend l'argent pour quitter le rentrer. Là gen moun ki di c'est Kounia a confirmé Moïse Jean-Charles te fait le vrai.
Gen moun ki di se kounya yo wè Moïse te fè koze vwe. Eh bien, mesdames et messieurs, Emmanuel Vertile, c'est lui qui choisit pour voir dans le conseil là. Par petit dessalé. Le n'a pas cherché qu'on est, il y a une raison qui fait Moïse Jean-Charles décider de voir dans le conseil là, c'est sous demande de la Russie. C'est là que Philippe floua, c'est là que Philippe confiant. Guy Philippe dit bon pourquoi après rentrer dans déclaration Guy Philippe. Moïse Jean-Charles avancé pour le dire c'est sous demande représentant la Russie l'organisation des Nations Unies ONU. C'est sous demande la Russie li pral faire intégration dans CARICOM. Bon kounya mesdames et messieurs. Moïse Jean-Charles t'a décidé rejoindre CARICOM. Comme l'hypoco sorti dans silence li n'a prele le téléphone là n'pa ka joindre ni tout téléphone pour n'ta joindre Moïse Jean-Charles même sécurité le même porte-parole li moun ki bon côté tout téléphone yo pas disponible dans moment li pa prend appel moi pa prend appel et puis mesdames et messieurs kounya là Moïse Jean-Charles t'a décidé faire ça est-ce que vraiment la Russie pral rentrer dans logique comme ça. Est-ce que la Russie pral décidé pendant la critique et ingérence internationale dans dossier pays d'Haïti et faut que moi dis la Russie lui-même li pas pour Jean CARICOM a rentrer dans cause là li pas pour Jean les États-Unis fourer deux pieds devant dans cause des pays d'Haïti. Est-ce que la Russie pral venir rentrer dans une mascarade comme ça pour la venir forcer Moïse Jean-Charles rejoindre. Bien. Si Moïse Jean-Charles gen problème, li pa d'accord laisser blanc ka bal dicté, eh bien la Russie pas blanc. La Russie pas blanc. Mon l'autre paramètre encore mesdames et messieurs. Moïse Jean-Charles te ka toujours décidé dit l'a tande la raison. Mais pour qui ça? Même public, même journaliste qui te qu'on a pran gaz pour li, même journaliste chaleur qu'on a touye yo pour y a rentrer dans salle conférence, pour y a couvrir conférence pour Moïse Jean-Charles. Pour qui ça même journaliste ça yo li pas invité yo li prend une position publique li dit mais qui raison yo décide font mea culpa y a bay pays a une chance l'autre paramètre encore pour qui ça dans trois membres li té opté comme président ou encore comme pour conseil présidentiel là pour ça dans trois membres ça yo mesdames et messieurs pas fourer mais li prend une même s'il pas t'a dit Guy Philippe ou mettre font poser comme yo mettez critère nous pas prend mais nous pral pran magistrat, nous pral pran madame Françoise. N'a pran youn nan moun sa yo, nous voye en dan conseil là pour plus ou moins nous gen contrôle sa pral fait là. En tant élection. En tant élection, mais n'a voye youn nan trois moun nous te désigné yo. Et ben Moïse Jean-Charles vin montrer là, li son bluffé. Moïse Jean-Charles vin montrer là, li son vagabond politique. Partisan même si moun Moïse yo là yo fâché m parle avec nous série là yo dit franchement yo honte yo pas gen mot ou après même présent ou pas présent sur réseau à comme ça Guy Philippe prend un calotte mais il figel yo y a posé question pour qui ça dans trois moun li était déjà choisi préalablement yo li pas rentrer mais soit il prend magistrat li gen doit pas prendre Guy Philippe mais il prend madame nan ou bien il prend Durin Durin Junior, comme ces trois noms, ça yo, li te déjà opté pour yo pour venir représenter le pays. Pour qui ça li choisi, fait coup de guidon ça, et puis c'est un l'autre moun al cherche qui c'est monsieur Emmanuel. C'est un l'autre moun al cherche au cap. Donc Moïse Jean-Charles montre vraiment, c'était une alliance circonstancielle, c'était un, m'ta capable di, yon frim ni ta pran, parce que Guy Philippe te vina, Guy Philippe vini tout feu tout flamme, Guy Philippe décide, mette moun nan la rue, Guy Philippe li souleve mouvement contre Ariel Henry, bien que, mesdames et messieurs, gen moun ki di yo pa wè la terre, mais nous devons connaître initiateur, mouvement qui pral déboucher sous départ Ariel Henry, entre parenthèses. Et mais Moïse Jean-Charles qui sonne qui dit le pape j'en perds du pour ti équipe, li pral décidé rentrer en bas avant Guy Philippe pour aller chercher sensibilité fanatique Guillaume.
Et Moïse Jean-Charles, à un moment donné, il était mouru politiquement parlant. Il était mouru sous scène politique là, il prend refaire santé politiquement. Et mais c'est une raison là, action ça le poser a fait quoi que son frime li t'a prend sous Guy Philippe parce que Guy Philippe c'était l'homme de la situation, Guy Philippe était l'homme du moment. Eh bien Moïse Jean-Charles t'a pas rentré en bas avant lui pour lui même la chercher une frime. La chercher un côté pour le reposer parce que Moïse était fin mourir, me vient dire nous ça. Il t'a cherché parce que le connaît s'il rentrait en bas avant Guy Philippe là. Parce que qui ça me l'a dit par là, c'est même Moïse Jean-Charles, ça c'est même fanatique Moïse Jean-Charles yo qui t'a pral dit Guy Philippe son drogue dealer, Guy Philippe son voleur, Guy Philippe son mafia, yo pas rentrer en balle, li pas ka vinn leader là. Et c'est une semaine après et là Guy Philippe te doit faire Moïse Jean-Charles, pas doit faire Moïse Jean-Charles confiance là. C'est même nèg qui dit nous doit faire différence en dealer et leader. C'est même Moïse Jean-Charles qui a pris le fond tweet pour le dire, il faut que nous fassions la différence entre les drogues avec un leader. Eh bien, une semaine plus tard, Moïse Jean-Charles a annoncé qu'il fait alliance avec Guy Philippe. Il fait alliance avec même nèg li t'a pris le leader, même nèg li t'a pris le dealer, il fait alliance avec lui. Là, Guy Philippe te doit poser cette question. Guy Philippe Tédoué a dit, est-ce que vraiment Moïse Jean-Charles, comme Guy Philippe s'est passé dans la prison, par contre, réalité tout ça à terre. Li par contre, mouché à terre. Eh bien, mais qui est Moïse Jean-Charles? Mais qui est Moïse Jean-Charles, mesdames et messieurs, n'a pas relé le téléphone, n'a pas qu'à joindre. Peut-être qu'il a venu justifier pour nous. Choix. Mm-hmm. Eh bien, mesdames et messieurs, Moïse Jean-Charles fait coup de guidon ça. Mais Guy Philippe, pour côté parle, il a laissé jouer Guy Philippe. Nous dit mais Guy, ça passe à comment on comprend. Jusqu'à présent, Guy, dans confusion. Jusqu'à présent, Guy lui-même s'est dormi, il a dormi, il n'a pas réveillé pour le voir si c'est vrai. Hein? Guy a posé cette question là. Guy a demandé est-ce que c'est vrai? Parce qu'il dit pas quoi. Li pas quoi parce que l'aptan c'est Moïse Jean-Charles qui relève pour le dire le bagay ça. Hein? Bon, fait tende, Guy dit pas quoi, tende ça nous. C'est bien réalisé. Pour qui s'envoie la Russie pour yon leader haïtien, ça pour le faire. Le leader haïtien lui même qui a déjouté rien, t'as oué que ça, tout le monde le faire par l'intérêt que ça. Donc là, vous avez voulu dire on met, et puis nous on le met. De toute façon, c'est pas vrai. La Russie n'a pas fait un. Donc, je ne jusqu'à présent, c'est oui, mais pour moi, je ne crois que ça a abouti, c'est vrai. C'est ça, mon nom, la Russie n'a pas dit un. Et d'ailleurs, nous retweet l'ambassadeur et la Russie. Moi, je ne pas égaré, non? Moi, je ne pas égaré. Égaré, bien! Ou pas égaré, garçon. On retourne. Égaré, bien! Moi, il dit. Égaré, bien! Égaré bien! Moi, il dit pas égaré. Il va pas rentrer en bas de Jérémy à la cause. Moi, il dit pas égaré, mesdames et messieurs. Hein? Moi, il dit pas égaré. Guy Philippe l'a dormi. Guy Philippe a dormi. Quand il a supposé Guy question encore, l'a dit jusqu'à présent, il n'y a pas parce qu'il a été en réponse. Guy dit, la Wissi, Moïse Jean-Charles dit, c'est la Wissi qui bat l'ordre pour le rentrer, qui fait plaidoirie pour le rentrer dans le conseil là. Guy Philippe dit lui-même, il est très très branché dans l'international là. Pas de question ça, la Wissi pas dit rien vrai. Là où ici pas mandé Moïse Jean-Charles pour rentrer dans cause ça, Guy Philippe parle, il dit menti. Et jusqu'à présent, l'aptan c'est Moïse Jean-Charles qui vient dire l'on bagaille. Attendez Moïse Jean-Charles. Moïse. Mm-hmm. Égaré bien. Égaré bien. Égaré bien. Égaré bien. Ok. Toa dit li va égaré frèm, li fè yon lot coup de guidon. Li font lot coup de guidon, mais pendant journée hier, gagné yon lot coup de guidon qui fait pirette. Madame qui relé Marie Ghislaine
mon premier, c'est lui-même qui a regardé sous l'écran là, qui était déjà désigné bien avant pour te représenter conseil, pour te représenter parti politique aidé compromis historique red en dans conseil présidentiel. Eh bien, mesdames et messieurs, qui te me dit pral gagner un virement qui fait à la dernière minute, madame ça wap gade là, yo pral wetel, yo pral pran yon l'autre monde nan place. Alors que madame ça te fait partie de premier monde qui te choisi yo. Yo t'a pral prendre comme premier monde qui t'a pral rentrer en dans conseil présidentiel là. Mais finalement gon madame la UNESCO qui pral font sortie fracassante, qui pral font sortie là maman petite Marie-Vente d'ailleurs qui égale à lui-même moun ki fè kon madame sa m de konnen l deja l'el tap an bien pran yon poste l'el tap e grad li tap monte nan UNESCO m tap suiv li son madame ki pale e li gen créole li gen lang hein on belle tête eh bien li te pale deja pou Haïti nan UNESCO pendant semaine nan madame sa li charrier le beauté le ramasser toute chaille pays d'Haïti le mette sous dol la vidéo devant UNESCO hein li parler là et li décrit la réalité haïtienne li pète la réalité haïtienne hein son journée tant que Frédéric Mastin c'était un romancier c'était un poète qui et la réalité haïtienne parmi écrivains de la génération de la Rondio qui était divisé en deux périodes en deux courants en deux écoles éclectiques gros cause qu'a parlé là éclairé pas de problème Frédéric Marcelin l'écrit Thémistocle et parmi nous Das Labaster et qu'on paquet belle et bah oui un thème sto classé une référence. Et bien mesdames et messieurs, madame ça t'a pral font gros sortie pendant semaine nan là et ne pas connait si c'est sortie ça qui pral chavirer bonnette moun qui nan compromis historique qui pral chavirer bonnette Claude Joseph yo tombé sous cham madame nan. Ah oui femme nan belle oui. Li bel an dan bel deyo. Yo pral tombe sou cham li, yo wete madame Ghislaine. Yo di madame Ghislaine, wete kor fout. Yo wete madame sa, et puis yo pran sa rapide vite. Madame nan rele Dominique Dupuy. Bon fait entendre, li te parle nan UNESCO pendant semaine nan la. Et gros parole ki te parle. Li parle pour Haïti. Li décrit la réalité haïtienne. Eh bien, c'est un bon choix, oui. Mais qu'on y a, yon moun tankou madame Ghislaine, qui te déjà bay fè vest pou li, qui te déjà préparé la pou l'vin présidente. Claude Joseph Baloncourt, entendez madame Dupuy. Je vous remercie et j'aimerais donner la parole maintenant à son excellence madame Dominique Dupuy, représentante au conseil et ambassadrice et déléguée permanente auprès de l'UNESCO. Vous avez la parole madame. Madame la Présidente du Conseil exécutif, Madame la Présidente de la Conférence générale, Madame la Directrice générale, Excellences, chers collègues, durant ce débat général, nous sommes invités à bâtir nos interventions autour des points à l'ordre du jour de cette 219e session du Conseil exécutif. Mais vous comprendrez que dans cette maison de l'UNESCO, dont le mandat est la construction de la paix, il me serait aujourd'hui impossible d'échanger sur les technicités du C5, alors que tous les outils nécessaires à cette paix subissent chez moi un assaut sans précédent. Alors que l'éducation, la science et la culture sombrent davantage dans le gouffre infernal qui engloutit mon peuple depuis trop longtemps. Que tous les remparts sautent sous les tensions de la prise en otage d'un pays entier où 12 millions de personnes espèrent encore se réveiller d'un cauchemar ensanglanté. Confrontée à l'indicible, j'ai considéré me taire. Me taire par douleur, par déboussolement, mais aussi par culpabilité. Pour le confort de cette salle depuis laquelle je peux encore m'exprimer, alors que ceux au nom desquels je parle croulent sous le poids de la terreur.
me taire par colère pour mon pays que certains semblent déjà imaginer ne plus exister. Je refusais de vous étaler ici l'anatomie d'une chute, de vous dire que depuis le fin fond d'un trou où nous nous trouvons, nous voyons la main de ceux qui nous y ont poussés, ces mains qui pourraient encore, si elles le voulaient, nous tendre une perche. Il me semblait vain de vous décrire la gangrène du tissu social. Vous la lisez déjà dans vos journaux. Vain de vous expliquer la putréfaction de l'espoir. Vous la voyez déjà sur vos écrans. Vain de vous raconter l'immolation d'une jeunesse. Je refusais d'alimenter l'algorithme qui décide des priorités de l'aide internationale, de prendre part aux funestes enchères de la pitié, de participer à l'encan de la crise la plus grave, de faire concurrence à celui qui comptera le plus de morts, qui criera le plus fort son angoisse, qui articulera le mieux cette faim qui ronge le corps et l'âme de plus de 5 millions de personnes, dont la majorité sont des enfants. Je refusais de vous dire qu'une capitale se transforme en tombeau béant et que, comme moi, tous mes concitoyens sentent leurs tripes s'extirper de leur corps, zombifiés par l'effroi. Que nous perdons tous, minute après minute, dans cette descente vertigineuse vers un inconnu effrayant. Nous perdons tous, mais certains perdent davantage, certains perdent tout. Leur maison, leur repère, leur vie, certains n'avaient déjà rien et se retrouvent anéantis, morts vivants, face à cette nouvelle secousse psychique, face à la réplique de trop, depuis le temps que la terre tremble chez moi. Que cette guerre, ce fratricide n'est pourtant pas que notre plaie, mais celle du monde entier. Que mon pays se retrouve à la croisée d'enjeux planétaires, tant humanitaires, climatiques que sociopolitiques. Un avant-théâtre d'un effondrement qui nous implique tous. Oui, il aurait peut-être mieux valu se taire aujourd'hui. Vous avouez que je n'ai ni primeur à partager, ni potion magique à vanter. Laissez libre cours à vos débats et me terrer dans un coin, fermer les yeux, serrer les poings et attendre. Espérez que l'orage passe, que les monstres s'évaporent. Si seulement je n'avais pas eu à consulter récemment les archives de l'UNESCO, si seulement je n'avais pas eu la preuve tangible entre les mains que ce qui se dit ici s'inscrit dans des annales qui nous transcendent, une histoire destinée aux hommes et aux femmes de demain qui nous jugeront, tant sur ce que nous avons dit, sur ce que nous avons fait, que sur nos silences. Une histoire qui viendra soit nous saluer, soit nous hanter. Alors se taire aujourd'hui serait capituler. Être complice du sort abject des enfants de mon pays, privés de leur droit à l'éducation, privés de leur seul repas par jour, privés de leur droit à la dignité, interdits de jouer, interdits de rêver, interdits de vivre. Complice des salles de classe où seul prend lieu le sombre ballet des esprits errants d'étudiants et d'enseignants tués par balles. Complice du sort des filles et des garçons violés en toute impunité. Complice du sort des artistes et des artisans qui ne peuvent plus créer, plus vendre, ni leur œuvre, ni leurs rêves. Du sort des athlètes qui ne brillent que s'ils sont déjà ailleurs. Des scientifiques qui, comme les agriculteurs, traversent sans baluchon les fils barbelés d'une frontière fermée. Du sort des journalistes contraints à l'exil, vigiles de l'horreur, au péril de leur vie. Se taire serait abandonner, renier les combats pionniers menés par les fondateurs de ma nation, cracher sur le courage de ceux qui continuent, obstinément, encore aujourd'hui, à résister au bord du précipice. Se taire serait trahir la mémoire de ceux qui succombent à l'abîme. Trahir les cadavres calcinés, les corps mutilés qui ponctuent le quotidien de Port-au-Prince. Et malgré la déshumanisation macabre qui est à l'œuvre, malgré les caricatures cyniques dont nous faisons l'objet, ne trahissons pas la mémoire de ces vies, car c'est bien de vies dont il s'agit, de personnes humaines comme vous et moi, qui ont aimé, qui ont rêvé, et qui laissent chacune derrière elles un cratère de l'absence. Ces morts dont nous ne pouvons même pas faire le deuil, puisqu'il est impossible de pleurer le départ d'un être lorsque nous observons impuissants l'agonie lente de toute une nation. Madame la directrice générale, je tiens à vous remercier de votre engagement constant, renouvelé encore ce matin, ainsi que celui des États membres comme le Chili, en faveur de mon pays. Ces élans m'émeuvent et m'encouragent. Chers collègues, je fais donc le pari de ne pas me taire, ni aujourd'hui ni demain, parce qu'il faut quelque part que l'on prenne acte et que l'on se souvienne qu'il existe encore un pays, habité d'êtres humains, assoiffés de paix et d'avenir, qui ont eux aussi le droit à l'éducation, le droit de préserver et d'exprimer leur culture, le droit de vivre. Je vous raconterai ce pays qui peut, qui veut et qui va renaître. Cette terre de Dessalines, de Catherine Flon, de Suzanne Commer-Sylvain. Cette terre de la soupe Jomou, de la cassave et du compas. Cette terre du KPK. Dans cette longue nuit, je vous raconterai une Haïti pleine de lumière. Car dans le clair-obscur de notre parcours, nous avons su transformer les spectres de l'oppression en oiseaux de la liberté. Merci, merci en pile, Aïbobo.
Bagay sérieux, bagay sérieux, moun senti bon, moun sérieux, moun lou. Nous sommes tendés. Là, c'est pas jouette, c'est réalité. Nous, li sommes décrits là. Et bon, c'est madame nan te gen pile émotion nan voile. Et moi, je me cap tendé là tout. Je me senti ces entrailles, moi, cap coupé. Parce que ça l'a décrit là, vraiment, c'est des réalités, nous fait face avec yo chaque jour, côté moun ap mouri, moun ap violé, moun ap kouri ki te kayo. Donc, nous sommes tous des humains, il faut que bon bagay ki fait vraiment pour Haïti, nous pas ka continuer rete comme ça. Et bien, madame ça, bonne nouvelle là, c'est que li pral an dan conseil présidentiel là. Comment li pral comporter? Est-ce que l'a d'accord? Qui te m'di ou? Madame là avec Claude Joseph. Yo rencontré. Pas oublier son diplomate Claude Joseph. Moi gagné ti information fait quoi? C'est un monde qui très très proche d'ailleurs qui semblait ça parce que m'pa quoi t'a pas décidé mettez non un monde qui pas proche li, un monde ni pas connaît vraiment en dans conseil présidentiel là. Eh bien mesdames et messieurs, madame ça c'est un bon grain pion qui capable participer dans conseil présidentiel là. Même j'ai avec un pile l'autre monde nous ouais qui en dans conseil là. Mais écoute. Mais kounya, est-ce que marchandise là l'a capable délivrer? Est-ce que yon femme comme ça l'a capable travailler dans mitan pile raquette la valance ça au là? La valance déjà gagné 4 membres, pas oublier pral gagner loi de la majorité à qui pral parti là. Gayon paquet raquette la valance qui est en dedans. Est-ce que moun sa yo, mesdames et messieurs, yo pral kite madame nan passé? Gon paquet raquette la valance kan dedans, mais yon rat do calé galé blanc fils. Mais l'autre là et Fritz Alphonse Jean, moun sa yo, est-ce que yo pral kite momento la la valance nan san lan nan li? Oui. Voltaire, monsieur Voltaire. Mais l'autre. Tout sérieux. Eh bien, mesdames et messieurs, est-ce que bel nom ça, li pral capable de travailler bon côté à sle ça, mafia dans Port-au-Prince? Nous pas connaît, mais nous espérons pour bien payer, madame ça, il sorti tête li dans l'eau. Est-ce que l'ab d'accord? Nous pas qu'on est pire même pas quoi Claude Joseph t'a fait faute ça pour ta mettre nos madame là sans pas de joindre aval. Madame monsieur, émission ça c'est ton émission historique, une émission pour l'histoire. Donc pas oublier un service ou bien pour rendre nous c'est l'or tomber sous channel ça ou rentrer dans espace commentaire ou qui ton green commentaire. Ba konnen ki mot d'encouragement n'a quitté pour Maurice Jean-Charles sous choix là. Et moi-même si m'étais en place nous, m'gen ti mot m'ta écrit pour Maurice Jean-Charles, c'est un pi gros leader politique nous gagné dans pays d'Haïti là et avni pays d'Haïti sous do Maurice Jean-Charles, les Maurice Jean-Charles président Navarre côté pays avay. Mais pas un problème, rentrer dans espace commentaire, commenter tout autant capable m'a toujours là pour me li commenter. M'a toujours là pour partager avec nous, mais il y a un service pour prendre tout qui est important. C'est pas oublier abonner avec Chanel là, partager vidéo. Plus en mieux, famille, avawel pour aider le travail à grandir. Il y aurait même Olivier, nous t'a présenté une émission qui est chaud, émission qui est gros sur réseau qui c'est Allo Haïti qui passe sous Nouvelle Jodia et Média Haïtien. J'en ai regardé là. On t'est content? N'allez, n'a rencontré. Ciao, à la prochaine.